J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour vous faire un petit vlog. Je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira. J'ai filmé de temps en temps, un peu chaque jour, si jamais j'ai des trucs. J'essaie de lui recevoir par exemple une robe, donc comme ça on pourra ouvrir tout ça ensemble. Aujourd'hui, je crois que j'ai reçu un colis aussi de, chez Azos. Ce sont des lunettes de soleil, c'est un lot de deux. Oh putain! Il fait chaud. Bon, c'est pas le best des cadrages, mais là je vous emmène vite fait avec moi parce que je vais juste en fait aller acheter des bonbons. On est vraiment sur un achat des plus inutiles, mais voilà, j'avais envie de petits bonbons. C'est nul à chier, putain. En fait on s'en fout surtout, mais j'ai acheté mes petits bonbons, c'est vraiment inutile, je suis rouge, putain. Et là du coup bah, je vais rentrer, je sais même pas pourquoi je vous dis ça parce qu'on s'en fout. Mais voilà, je vais aller chercher le courrier. C'est bon, colis Azos est arrivé. Ça y est, je vous ai posé, donc je vais venir ouvrir les petites lunettes. Mais comment ça s'ouvre cette merde? J'espère qu'elles vont être belles. Donc en gros, si vous voulez, j'ai acheté un lot de deux paires de lunettes. À la base, je crois que ça coûtait 23 ou 24 euros et j'ai réussi à les avoir à 13 euros, je crois. Bon, je sais pas si ça va m'aller, mais bon, elles ont l'air rigolotes. Donc on a tout d'abord celle-ci. J'aime bien en vrai, bon, on va essayer. Mais je pense que ça me va pas du tout, non? Bah après c'est sûr qu'avec un gros truc au milieu de la gueule ça peut pas le faire, mais... Bah écoutez, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Et j'ai les mêmes en verte. J'aime bien. Un peu un effet transparent, vous voyez. C'est... Bah elles sont jolies, hein. Franchement pour 13 euros de paire, on va pas se plaindre. Vraiment happy, hein. Franchement 13 euros pour ça, les deux paires, je trouve ça vaut grave le coup. Alors c'est pas de la marque de chez Azos, genre les catégories Azos Design ou autre, c'est SVNX. Voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un. Donc hyper happy, très happy pour ces petites lunettes. Je vous remontre une fois les trucs au milieu enlevés. Je sais pas si elles me vont bien ou pas, mais j'aime bien, genre j'adore l'effet qu'elles donnent, genre très pédasse. Par contre ça me fait ressortir mon nez, c'est ignoble, mais j'aime trop. Elles sont grave belles. Par contre j'ai brossé mes cheveux, j'aurais peut-être pas dû. Ah là, ils sont tous électriques. On va réessayer les vertes. Mais moi j'aime trop, elles sont grave belles en vrai, mais c'est peut-être un peu gros quand même pour ma tête. Écoutez, vous allez me dire en commentaire si je les porte bien ou pas. Très... J'aime beaucoup. J'espère que Haribo va me sponsoriser très bientôt. Coucou! Désolée, mais je vous ai tellement oublié. Dites-vous que là on est mercredi et que la dernière fois j'ai filmé c'était au vendredi. Mais c'est pas grave, je reviens. Aujourd'hui je reviens parce qu'en fait j'ai des petits trucs à vous expliquer. Donc en fait je voulais vous prévenir que j'ai enfin créé un Instagram pour aller avec ma chaîne. Donc enfin c'est pas pour aller, mais en gros mon Instagram professionnel entre gros guillemets. Donc je vais vous le donner, je vais essayer de vous l'insérer là en vidéo. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos même en fin de vidéo. J'ai changé, du coup c'est tout simplement Jégou Anastasia. Attendez, j'ai encore rien posté dessus. J'ai déjà 11 abonnés, c'est déjà beaucoup, merci. Donc je vous montre, c'est celui-ci. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour voir mes futures publications. Je vais essayer de faire en fait aujourd'hui également, de essayer de faire un reel ou un reels, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Je vais essayer en fait du coup sur ce compte de poster des photos en général. Et également comme ça me permettra d'annoncer quand j'ai sorti une nouvelle vidéo, pour poster des IGTV, enfin créer d'autres... Voilà. Essayer de créer d'autres formes de contenu autre que uniquement sur YouTube. Donc même peut-être des fois je pourrais faire des unboxings genre en réel ou... J'espère que ça se prononce comme ça, hein.
Attendez, je vais défaire mes cheveux, détacher mes cheveux parce que là, la gueule que j'ai. Ça va, des genre des petits hauls en IGTV ou en Reels, réel, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, déjà je voulais vous annoncer ça. Donc du coup, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Du coup, sur ce Instagram là. Du coup, je vais essayer de faire, bah, comme j'ai dit avant, de faire mon réel, Reels, réel. Je sais même pas, putain, je sais vraiment pas comment ça se dit, c'est hyper chiant. Du coup, je vais essayer de le faire aujourd'hui. Donc, je vais pas pouvoir vous filmer comment je fais parce que je vais pas le faire avec le filmer avec mon téléphone. J'espère que ça va marcher. En fait, je vais filmer du coup avec ma caméra et après faire un montage parce qu'en gros, en fait, je vais essayer de faire un. De recréer un des outfits de Jennie qu'elle porte dans un des stages de As If You're Last. Ah, et du coup, je vais juste faire un petit outfit inspiration. Et sauf qu'en fait, bah, du coup, faut mettre d'abord la photo. Sauf que je crois que sur les trucs d'Insta, bah, tu peux pas insérer des photos d'avant. Enfin, en fait, je sais pas parce que j'ai essayé de regarder des tutos hyper compliqués. Genre, vraiment, c'est hyper complexe. Et je crois qu'on peut pas. Avec TikTok, je crois qu'on peut, mais j'ai pas TikTok. Enfin, j'ai TikTok, mais pas. Pas pour YouTube quoi. Ah mais si jamais je fais un futur réel avec mon téléphone, j'essaierai de vous filmer pour vous montrer comment je fais. Réellement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire, hier j'ai regardé un film et c'était super bien. Donc je voulais vous le recommander. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Ça s'appelle. Attendez que je retrouve mon nom. Ça s'appelait, je crois, Drowning Love. Enfin, en gros, ça veut dire amour. Enfin, Drowning, j'ai regardé sur internet, ça voulait dire couler, je crois, un truc comme ça. Mais c'était super bien, donc c'est un film japonais, il me semble, si je me trompe pas. Mais en fait, il est présent sur YouTube. Enfin, il est présent. On peut le retrouver sur YouTube. Putain, pourquoi je m'exprime comme ça des fois? J'essaie de vous le retrouver. Mais c'était super bien. Enfin, en fait, c'est entre guillemets une histoire d'amour, mais c'est hyper. Bon, je vous avoue que c'était pas hyper clair. J'ai dû regarder après à la fin du film, explication du film, parce que j'ai pas trop capté. Genre, c'est pas un truc où tu saisis comme ça, mais c'était bien filmé. Je trouvais ça hyper joli. Également, si je peux aussi vous recommander d'autres petites séries ou films, j'ai regardé. C'était il y a à dire il y a un petit moment, mais c'est toujours sur Netflix, hein, c'est toujours d'actualité quand même. Regardez sur Netflix Mon Ami Adèle, c'était super super bien. Enfin, par contre, je suis hyper nulle pour essayer d'expliquer l'histoire ou autre, donc j'ai pas essayé d'essayer quoi que ce soit. Mais regardez la bande-annonce, c'était vraiment. Je sais pas si c'est vraiment un thriller. C'est un peu thriller psychologique, dramatique avec un petit peu de science-fiction. On est un chouïa de science-fiction et moi qui d'habitude n'aime pas trop quand il y a des trucs un peu irrationnels, bah je trouve que là ça va, c'est super bien. Mais en plus la fin est vraiment amère, je spoil pas trop, mais regardez, c'était vraiment bien. Coucou les abonnés. Ouais, tu fais super bien. Welcome everyone, I'm Sarfatou, I'm the manager. Ah putain, je suis dans le cul. Je peux parler en anglais. Merde. Mais parle français, non? Je te mets dans mon vlog. Dans mon prochain vlog. Attends, t'enregistres là? Oui, j'enregistre. Attends, mais coupe. Là, ça tourne. Comme ça, dès que t'es prêt, tu me dis. C'est où? Ah oui, je regarde là, du coup. Oui, dans le retour. Ah ouais, putain. Oui, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Je te l'ai dit en plus. T'as pas pris. Après, tu dis bonjour et on s'en va. Je te l'ai dit. Bonjour à tous, manager d'Anastasia. Donc pour tout contact, pour toute demande, de sponsor, de placement de produits, tout ce qui s'ensuit, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram ou sur Anastasia, c'est moi qui gère. Donc n'hésitez pas. Tu vas apparaître? Coucou. Voilà, c'est tout ce que je fais. Les deux, n'hésitez pas. Trop chou. T'as vu, c'est BG, hein. Par contre, genre, ça me fait une teinte de poupée. Ouais, par contre, ouais, je crois qu'il y a un filtre correcteur. Oh, il y a là. Pour toutes les demandes. Mais pourquoi tu parles? Bon, là, du coup, je vous retrouve encore quelques jours après. Parce que aujourd'hui, j'ai enfin reçu. Un petit colis de chez Asos. J'ai bien reçu également ma robe de chez H&M, mais en fait j'ai complètement oublié de vous filmer quand je l'ai reçue. Mais si vous voulez, j'en ai fait un réel sur Instagram si vous voulez aller le voir. Mais là du coup je l'ai même pas à disposition parce qu'elle est à laver, donc je peux même pas vous la montrer. Mais si vous voulez voir, allez-y sur mon Instagram. Aujourd'hui du coup, petit paquet Asos que ma mère m'a gentiment ouvert. Et donc c'est un petit jean bleu de chez, il me semble que c'est Misguided, je crois. J'espère qu'il va bien aller. Oui, c'est ça. C'est de chez Misguided. Et en fait, du coup, il est de couleur bleu ciel. Mais il a l'air hyper, hyper beau. On va ouvrir. Il y avait un petit plastique. J'aime beaucoup la couleur du bleu, en tout cas. J'espère que ça va quand même aller. Je l'ai pris en quelle taille? Ah, je l'ai pris en 34. Mais je me souviens pourquoi j'ai pris en 34. Parce qu'il me semble que sur la mannequin, quand on voyait porter sur le site, elle le portait en 36.
et ça lui baillait partout, c'était vraiment pas très beau. Du coup j'ai pris 34, mais je pense que ça va m'aller. Hein. On va essayer et on va voir. Bah. Oh, attendez, c'est du 34 et c'est trop grand. Attendez, il y a un problème là, les gars. Regardez, ça me va pas du tout. Même au niveau du bas. Oh, je suis hyper déçue. Mais attendez, ils vont me faire croire qu'il fallait que je prenne du 32 ou c'est comment? Je vais essayer de mettre une ceinture et des chaussures et on va voir si ça améliore ou non le truc. Mais je suis hyper dégoûtée. J'ai essayé de mettre une ceinture, ça n'aide pas plus que ça. Mais je vous jure, ça va pas du tout. Putain. Est-ce qu'avec des talons, ça va mieux? Non. Je vous montre, en vrai ça va, c'est pas non plus hyper dégueulasse, mais... C'est pas comme ça que j'imaginais. C'est pas du tout comme ça que j'imaginais, mais bon après sur la mannequin j'aurais dû m'en douter puisque ça faisait à peu près le même effet déjà même en 36. Mais je pensais vraiment qu'en 34 ça ferait vraiment un slim slim et pas du tout. Donc bon, un petit peu déçu mais c'est pas grave. En tout cas je vais arrêter cette vidéo ici avec ce petit unboxing. Ça aura pas été un vlog très très long parce que je fais vraiment mais rien d'intéressant, je suis vraiment désolée. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu du peu que j'ai filmé. N'hésitez pas en tout cas à vraiment aller me suivre sur mon Instagram, j'essaie d'être un peu plus active. J'ai déjà posté deux petits réels, attention. Et je sais que ma prochaine vidéo ce sera un haul puisque j'ai reçu pas mal de petites choses. Donc par exemple même ce jean vous le verrez dans mon prochain haul. Voilà, donc je ferai un petit haul pour faire un petit récapitulatif de tous mes derniers achats en espérant que ça va vous plaire. Et puis en tout cas moi je vous laisse aujourd'hui, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bisous. Your girl need it all and that's a honey. Pick it, you can pick name, what's her one? Come on, come on, guess up. That got you mad or dressing up. Janet, what's up?